Salut à tous, bienvenue sur Crusader Kings 2 avec Damzou, avec le duché enfin qui a été créé de. J'ai de quoi dire, avec de Bourbon. Et toujours une situation qui n'est pas bien parce que mon héritier avait un prestige de merde. Faut dire ce qui est un prestige de merde. Fantastique, bah du coup je vais prendre mon camp des miliciens. Ça te fera pas de mal. J'ai peut-être dû m'acheter la science pour pouvoir me payer directement mon bourg amélioré. Encore, ok. J'ai des possibilités d'armée, donc ça va aller. Prestige 0,05. Charitable, ça monte pas le prestige. Mec, je sais pas, moi, fais quelque chose. Augmente ton prestige, quoi. Ça, normalement, j'ai un point à avoir. Faut que je trouve un event pour gagner un point en martial. Enfin, non, pas un point en martial. Ah non, mais j'ai pris martial. Bon, faut que je trouve deux points en martial. Si mon ambition se réussit, on va prendre travailleur plutôt, parce que ce serait bête d'essayer de gagner paresseux. On subit des pillages. Ouais, en fait, je pense que c'est les Vikings qui attaquent la France au niveau des frontières. La Francie. Ouais, t'attaques ce que tu veux. Attends. S'il te plaît, j'ai déjà une. Non. Oh. Et en plus, j'ai perdu du. Non, mais abusez pas, quoi, les mecs. C'est déjà suffisamment le bordel comme ça. Bon, j'ai un héritier. Ma femme a 40 ans. Avec de la chance, elle tombera plus enceinte. Attendez. Il a eu que des filles, lui. Ok. Bon bah mec, t'es mort de quoi? Stressé et déprimé. Ok, ta vie était très cool, je pense, quand je vois ça. Par contre, elle a 500 hommes? Comment elle fait pour avoir 500 hommes? Comment elle fait, sincèrement, pour avoir 500 hommes? On y est presque, plus que 40 mois. Ah, et j'ai perdu mon chancelier. Ah, on me dit de me rassurer parce que le prochain est nul. Revendication Berry. Ah, par contre, je vais pouvoir augmenter mes impôts d'église. Alors. Concupiscence, ça fait quoi? Ça diminue ma. Ouais, bah c'est bien ça. Si je suis pas concupiscent, il n'y a pas de problème. Mes revenus, ça décolle pas. Attends, je comprends pas ça. Je connais le secret. Ok. Je connais le secret. Alors attendez. Je vais gagner Uridi. Et j'ai perdu Illumination. Ah, c'est ça, Illumination, d'accord. Ah mince, ça me faisait gagner du prestige. Oh, les escrocs, ils m'ont encore enlevé un truc qui faisait monter mon prestige. Certes, de pas beaucoup. Mais quand même un peu.
Elle est encore 45. On peut pas me faire un petit event sympa. Non, moi je peux attaquer maintenant, comme je suis au niveau d'un duc, je peux attaquer que les ducs. Et j'ai un duché qui est tellement petit que c'est la catastrophe. Ça ferait bien assassiner, mais ça sert à rien. Mais ce qui m'impressionne, c'est sincèrement comment tu fais pour trouver autant d'hommes. Ça va être de la chance. Ok. Pas d'ol pour toi. Est-ce que mes vassaux m'aiment bien tous? Normalement, j'ai qu'un vassaux qui m'aime pas. Et non, en fait, j'ai plein de vassaux qui m'aiment pas. Pas normal, ça. Allez, encore 25 de prestige. Et je récupère mon titre. Et ben voilà, j'ai regagné des troupes. J'ai accès à 800 troupes. Allez, un event, il me faut tellement peu de prestige, quoi. Le festival. J'avoue que je suis... Ah mince! Invité... Non... On peut dire que ce serait un festival... Et je sais pas jusqu'à quand je peux le faire. On va organiser une chasse. Allez, là, je pense que franchement avec une chasse... On peut que réussir. Allez, on y croit. Et merde, je me suis blessé. Espèce de boulet de la vie, quoi. Bon, au moins... Et ben moi, voilà. Au moins, on a le prestige. Du coup, tac. Annuler un titre. Ok. Envoyer. Elles sont où tes troupes? Parce que moi je veux bien que tu répondes oui, mais elles sont où tes troupes? Hein? Me prends pas pour un jambon. Où sont tes troupes? On est d'accord, tu n'as pas de troupes. Du coup, tu vas me forcer à acheter des mercenaires. Tac, tac, go. On a failli perdre. Sans déconner, quoi. Bon, le Bourbon. Elle est pétée. Accepté. Je vais bien être ton attendant. Ça me coûte cher. Donc on va espérer que le siège accélère un peu au début. Parce que je vais... Putain, je suis passé malade. Faut surveiller parce que j'ai pas envie que mes mercenaires se retournent contre moi. Je peux encore payer un mois. Le duché de Lotharingie.
Ok, bah si j'ai des troupes, on verra. Pour l'instant, j'ai pas de troupes, c'est sûr. Ok, bon, moi je vais déjà un peu mieux. Ok, bon, bah là c'est fini, c'est décidé. Les mercenaires, faut que je les rende. Alors, c'est qui? C'est mon fils. Lui, c'est important vu que normalement ça va être l'héritier. Est-ce que je peux en faire une éminence grise? Non. Je peux en faire un brillant stratège? Ce sera très bien. C'est quoi lui? C'est un... ben non, m'intéresse pas. Je vais en faire un... Oh les mecs, sincèrement quoi. Mon duc n'est plus malade. Oh là là, mon duc, il n'y a pas longtemps, il était sur le point de mourir. Là, il est reparti en repartie d'attaque. C'est paysan. Ok, allez. Et on a récupéré... Non, j'ai en pause. On a récupéré Bourbon. Bien, du coup, vous, on peut vous relibérer. On en a fait une prisonnière, rachetée. Ok. Ok, j'ai gagné de l'argent. Mais j'ai... Attendez, je lui ai enlevé... Ah, j'ai compris ma connerie. J'ai compris ma connerie. J'avais compris ma connerie, ok. Bing, bing, j'y retourne. J'ai pas mieux. Punaise, le pire c'est que j'ai vraiment pas mieux en plus. En fait, je vais m'amuser à attaquer ce comté jusqu'à l'infini, en fait. Ok. Non, j'ai réalisé le problème, c'était quoi? C'est que, une fois que j'ai gagné la guerre, il faut d'abord que je lui enlève le titre. J'avais pensé qu'automatiquement, à la fin de la guerre, elle perdait le titre. Mais non. On n'est pas logique, ici. Non, ça va, j'ai pas besoin de toi. Toi, tu me sers à rien, parce que, vu que t'envoies pas d'hommes. Je peux gagner arbitraire. On va tenter juste. Raté. Bah, c'est le cas de le dire, raté. Donc normalement, de toute façon, il n'y a pas de défenseur. Un petit point martial, ça fait pas de mal. Excellent. Alors, c'est quoi ça? Un neveu. Alors, préférence, les neveux. C'est là de préférence qu'il faut changer. Est-ce que je peux en faire quelque chose d'utile? Non, je peux pas. Ah, j'ai accès au grand. Je vais en faire un, parce que j'en ai pas. Je vais me faire un grand théologien, vu que j'en avais pas encore. On va essayer d'en faire un. C'est très très long. En même temps, j'ai fait une connerie. Toi, je sais pas comment tu fais ça, mais apparemment, tu m'as très très efficace. Allez, encore
Encore un. Normalement, la suite, ça va tomber à la vitesse grand V. 70 défenseurs. Ça tombe en 40 jours à peu près. Ok, et le dernier, 1000! Là, c'est bizarre. Diplomatie. Ah, bah c'est bon, en fait, elle accepte la paix. Donc, maintenant, elle. Je vais donc lui annuler son titre. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle est toujours prisonnière? Oui. Donc quelqu'un va te racheter. C'est fait. Eux, on va les renvoyer à la maison. J'ai donc accès à 1000 hommes de nouveau. Ça y est, là, je commence à reprendre un peu la main. Ok, toi, tu vas faire la revendication sur le Berry parce que j'ai accès à mes 1000 hommes. Bourbon, est-ce qu'il y a un truc? Le bourg fortifié, est-ce qu'il est construit? Il faut que je fasse, il faudrait que j'évolue à infrastructure du château niveau supérieur. Donc, infrastructure du château, je pourrais l'acheter s'il faut. Et ben, je vais le faire. Allez, infrastructure de l'église, je le prends aussi. Le légalisme, je prends. J'ai claqué tous mes points de science. Mon frère. Je suis désolé, mec, tu vas être déçu, mais t'es pas prêt. Donc, maintenant que j'ai récupéré mes deux comtés, j'espère que lui, on va essayer de... Ok, donc ça veut dire que lui, on va y envoyer le maréchal pour que les troupes s'y refassent très vite. Toi, t'es plutôt pas trop mal. Alors, toi... Ça, c'est les murailles niveau 2, donc vas-y, hop. Murailles niveau 2. Bourbon. Est-ce que les murailles... Non, il manque... On en est à celui-là qui coûte 290, ok. 3 et quelques. Donc normalement, on va passer en... impôt féodal. Bim. Il va falloir que vous me rameniez de l'argent. Partage chalik, j'ai qu'un seul fils, ça va aller. Voilà, je regagne de nouveau 4 de thunes. Et j'ai de nouveau accès à une grosse armée. 800 troupes déjà. Donc, Berry, attention, je vais arriver, t'inquiète pas. Le Limousin, je peux pas y toucher pour le moment parce que il est sous la garde d'un duché un peu trop gros pour moi. Donc lui, il était à 13. Lui, il est à 17. Ok, on fait le changement. Toi, je veux que tu me fasses ça ici. Apparemment, si vous me dites ça, c'est qu'il y a un problème dans la famille. Son tuteur, c'est qui? Non, c'est bon, si elle a un tuteur, ça va. Il a juste changé, mais elle a un tuteur, donc c'est bon. 208. Je peux pas monter plus haut que ça encore comme taxe? J'ai une grosse dépense annuelle, ça c'est d'avoir des titres honorifiques.
Alors voilà, là dans la famille. Ok, alors c'est un neveu très éloigné. Qui est-ce que je vais te refiler, sincèrement? T'as des problèmes en diplomatie, donc il faut se trouver une diplomate pas trop mal. Bah, elle m'a pas l'air pas trop mal du tout. Et elle est même super forte en militaire. Avec elle, tu vas t'éclater. J'obtiens cynique. Cynique. Est-ce que ça m'intéresserait d'avoir de l'intrigue et de la diplomatie en plus? Ça me ferait réussir mon ambition. Pas plus que ça. Allez, on va prendre ça. Comme ça, je vais pouvoir tenter une nouvelle ambition. Qui va être améliorer l'intrigue. Normalement, Bourbon, ils sont quasiment remis à fond. Enfin, ils ont juste fait la moitié. La muraille a été construite. Toi, tu es à Berry. Oh, mais t'es du baron. T'es tellement mauvais, mec. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Ça, c'est que quand on a une partie de la famille qui meurt super vite, ça donne ça. On peut rien faire. Parfait. Ah, est-ce que j'aurai un nouveau maréchal? Donc, j'ai mon fils qui était à 12. Et toi, t'es à 20. Ah bah toi, sans hésiter, tu vas venir tout de suite. Je suis désolé, mon fils, mais là, comme on dit, mais là, quoi. Non. Bourbon, on récupère les 300 soldats qui restent dedans. J'ai accès à combien d'hommes? 1400. 1600 hommes. Ça, c'est une armée, là. J'ai tellement peu de chance que ma revendication réussisse sur le Berry que je vais acheter mon bourg fortifié. Bon, certes, je vais l'acheter dans 10 mois. Mais je vais l'acheter quand même. Rien à foutre de l'église. Rien à foutre. J'ai besoin de sous, donc rien à foutre. Me convertir. On est des francs germains? Non, désolé mec, je t'ai rien promis. Pour l'instant, j'ai tellement peu de terrain que surtout, faut pas m'en vouloir, mais je les garde. Un peu d'intrigue. Allez, hop, normalement, bourg fortifié. Orthodoxe, encore un en intrigue. Attendez. Cruel. Bah, je vais prendre aimable. Je peux pas acheter ça? Muraille est son donjon amélioré. Ah bah si, je l'ai pourtant. Attendez. Qu'est-ce que tu me fais? Bon, toi, je peux te l'acheter, donc je vais te l'acheter ici. Mais toi, pourquoi tu peux pas? Ils font un donjon amélioré. Je comprends pas. Donjon amélioré. Pourquoi j'ai pas de donjon amélioré? Voilà, l'intrigue, ça monte à une vitesse. C'est dommage parce que là, le roi, mon roi, il commence à devenir patron. Enfin, pas mon roi, mon duc. Mais j'aimerais bien commencer avec un bon règne, enfin avec un mec
où les châteaux sont à peu près convenables. Du coup là ils sont certainement très convenables. Du coup toi tu vas faire des technologies. Toi tu vas faire la technologie aussi. Fais de la technologie, tu vas t'éclater. Toi mais sincèrement mais pourquoi on me refile des chanceliers aussi moisis? J'arrive pas à choper les trucs. Remarque la lotharingie c'est ça. Est-ce que ça vaudrait le coup d'attaquer la lotharingie? C'est lui le duc. Il a 800 troupes. Et des renforts qui sont pas énormes. Cette option n'est pas disponible car vous possédez le trait cynique. Et je peux acquérir charitable. Est-ce que je l'ai déjà charitable ou pas? Je l'ai déjà, donc on va se limiter à ça. Oui, je suis déjà charitable, donc ça sert à rien. Et la revendication, ça, donc c'est la lotharingie. Et ben, je vais essayer. Un intendant. 12. Ah bah là, sans hésiter. Mec, fais-moi de la thune. Parce que dès que j'ai de quoi acheter une arme. Non mais. Je t'ai dit, va chercher des sous. Ah, mince. Pause. Voilà. J'espère que ça va pas bugger. Parce que j'ai tellement de bugs en ce moment que j'espère que j'ai pas envie. Donc, j'ai accès à. Ah! Moins de troupes que tout à l'heure, c'est bizarre. Bon, j'ai quand même accès à pas mal de troupes. Et alors, le mec qui dirige la lotharingie, c'est lui. Il a pas de thunes et il a 800 soldats. Est-ce que moi j'ai des alliés qui peuvent venir avec moi? Ma femme, j'ai le roi de Bavière mais qui veut pas venir. Attendez, j'ai à la fois le. En fait, j'ai les deux côtés bavarois qui sont avec moi, c'est cool. J'ai accès à tout le monde, moi je suis comme ça, y'a pas de problème. Alors, on garde surtout toutes ces lois de succession possibles pour régler certains problèmes en cas d'urgence. Je gagne pratiquement 5! Pratiquement 5 par tour. Je suis désolé mec, mais je t'ai dit non. Non. On va continuer ça. Ça c'est pour charitable, je l'ai déjà. Primogéniture, on en est où? Ok, il y a ce problème là. Donc ce qui m'intéresse réellement c'est d'aller foutre ma mère dans l'otharingie. Sauf que pour foutre ma mère dans l'otharingie, il me faut toute mon armée. Bon bah j'ai toute ton armée, ça c'est fait comme condition. Et il me faut de l'argent pour acheter... Ah 5 et quelques, ça c'est des sacrés revenus. Là je commence vraiment à gagner de l'argent comme on dit. Ah là ils vont me saouler là. Si jamais je décide d'attaquer lui... Marqué... Ok, je peux pas, non. Ça veut dire que ma revendication sur lui, elle me sert plus à rien. Le charolais, est-ce que je pourrais attaquer le charolais? L'Auvergne. Je pourrais attaquer l'Auvergne. T'as 700 hommes.
Et ben on change de revendication maintenant, on va revendiquer l'Auvergne. Et on va s'arrêter là. Mais sincèrement, j'en ai marre de devoir faire des revendications pendant 40 ans. Toi, t'es toujours... ouais. Toujours sous la... Bon, bah je vais arrêter là. Au fait, ce jeu, c'est pire que Europa Universalis 4 au niveau attente des fois, parce que... les casus belli, ben c'est pas vraiment dans l'attente. On est vraiment dans le aléatoire total. Donc on espère que je vais pouvoir faire ma guerre en Lotharingie. Allez, ciao !